un aspirateur connecté, qui est juste ici d'ailleurs, qui peut donc passer forcément l'aspirateur, mais en même temps la serpillière. Et tout ça pour un prix très minime. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter un aspirateur connecté de la marque Trouvé. Il s'agit ici donc du Finder. Alors ici c'est très intéressant puisqu'il s'agit donc d'une marque pas forcément très connue qui essaye de se développer et qui apparemment propose vraiment du très bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que habituellement, il est vrai que sur ma chaîne YouTube, je te présente des aspirateurs connectés, on va dire haut de gamme, hein, au-dessus de 500, 800 euros, donc relativement coûteux. Ici, on va être sur quelque chose de vraiment moins cher. Alors, je vais t'annoncer tout de suite les couleurs, on va être sur quelque chose d'environ 200 euros. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance souvent à vous dire que aujourd'hui, pour avoir un bon aspirateur connecté, qui passe aussi la serpillière à côté, c'est environ 300 euros. Et bien aujourd'hui, j'ai été assez impressionné en tout cas par cet aspirateur là qui pour 200 euros propose des bons caractéristiques. Bien entendu, on va retrouver une application, alors d'ailleurs on va utiliser l'application de Xiaomi, donc c'est vrai que c'est relativement intéressant et rassurant parce qu'on va se retrouver avec une application qui est forcément bien travaillée. Donc cet aspirateur là connecté va donc cartographier forcément ton appartement, ta maison, et que depuis l'app tu vas pouvoir vraiment gérer l'aspirateur, puisque l'objectif c'est que tu aies plus grand chose à faire en fait, puisqu'il va passer tous les jours l'aspirateur. Il est ici, il est très très joli, il me fait penser un petit peu à d'autres aspirateurs haut de gamme que je vous ai présenté il y a peut-être en 1 ou 2 ans. Et c'est vrai que déjà juste au niveau de sa matière et au niveau du packaging, c'est rassurant parce que je le trouve en tout cas de bonne qualité. Donc on va se retrouver tout de suite pour les caractéristiques et puis après bien entendu avec une fast test. Une livraison qui est très rapide, même si on l'achète sur AliExpress, la livraison est de 48 à 72 heures. Moi le mien je l'ai reçu en 48 heures, ça m'a fait assez bizarre et c'est vraiment satisfaisant en tout cas sur ce point là. Je voulais quand même le préciser et aussi que le packaging, comme je l'ai dit juste avant, et bien franchement je le trouve de bonne qualité, donc ça aussi c'est un bon point. Donc au niveau de sa petite tour en fait, si vous voulez, il va donc envoyer plein de faisceaux laser, il va donc cartographier ton appartement, ta maison, ta pièce, puisqu'il scanne en fait à 360 degrés. Alors bien entendu il est autonome, c'est à dire que ça c'est très important. Après par la suite il va vraiment gérer tout ça de manière autonome, et en fait tu auras plus grand chose à faire à part jeter en fait la saleté qui va aller dans le bac à poussière dans la poubelle. Mais attention, ça nécessite quand même un petit peu d'entretien et c'est surtout très important, mais la première tournée, eh bien il va falloir vraiment que tu le suives dans chaque pièce pour voir si jamais il y a des endroits où ça va être un petit peu plus difficile pour lui d'aspirer ou pas, ou des obstacles qu'il va pas vraiment peut-être comprendre. Un exemple tout simple, moi souvent mes trottinettes électriques, les pieds des trottinettes électriques, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué pour lui. Donc à ce moment-là, depuis l'application, il est possible de créer ce qu'on appelle des zones interdites, des barrières virtuelles. Donc si tu vois qu'à certains endroits c'est vraiment trop compliqué, où il y a beaucoup de câbles, n'hésite pas, une fois qu'il a cartographié l'appartement et tout, eh bien créer ces zones-là, zones interdites, barrières virtuelles, qui va lui éviter tout simplement de s'en mêler ou bien de se bloquer quelque part ou de s'abîmer plus rapidement dans le temps. Maintenant cette fameuse application, elle est gratuite et elle est disponible donc forcément sous iOS. Alors on a le Xiaomi Home, ou bien j'ai vu qu'eux ils appelaient ça le Media App. Après ça c'est à toi de voir tout simplement. Moi j'ai utilisé là ici le Xiaomi Home. Depuis l'application il est donc possible, comme je te dis, de localiser l'aspirateur, puisqu'il va cartographier, il va créer une map tout simplement de ton appartement ou de ta maison, et tu vas pouvoir savoir où il se situe exactement. Il va pouvoir être possible donc de gérer, de programmer les séances de nettoyage, de lui dire tous les jours, par exemple moi ce que je fais tous les matins à 11h du matin, il commence sa séance de nettoyage. Et souvent moi en fonction de ma superficie ici, il va mettre 30 minutes, j'ai à peu près 40 mètres carrés, quelque chose comme ça en bas. Il va aussi possible bien entendu de lui indiquer une zone à nettoyer, c'est à dire que tu peux lui dire, une fois qu'il a cartographié ton appartement ou ta maison, il va pouvoir en fait différencier des pièces, par exemple la salle de bain. Alors ça sera à toi après de lui dire que c'est ici la salle de bain, la cuisine, ça peut être les toilettes. Il va vraiment en tout cas lui-même arriver à distinguer les différentes pièces. Après à toi de nommer
garder ces pièces là ou alors tu peux laisser par exemple la pièce A, la pièce B, la pièce C. Ça peut être relativement intéressant si un jour, imaginons, tu fais des travaux dans la salle de bain, tu vas lui dire bah tu passes l'aspirateur partout sauf dans la salle de bain du lundi au dimanche à 11h du matin par exemple. Voilà, et donc tu peux vraiment personnaliser tout ça et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Tu vas pouvoir aussi bien entendu gérer sa puissance d'aspiration, soit si tu te mets en max ou alors tu te mets en bas. Bien entendu, plus tu montes en puissance d'aspiration, et bien plus sa puissance d'aspiration sera élevée, ce qui est totalement logique. Tu vas pouvoir aussi gérer le débit d'eau, ça va être pour le mode serpillière. Et tu vas pouvoir aussi voir le niveau de sa batterie, donc ça aussi c'est plutôt un bon point. Une puissance d'aspiration de 2000 pascal. Donc ça aussi c'est plutôt bien. À partir du moment où il a une batterie faible, si jamais il continue à passer l'aspirateur, il va retourner automatiquement à sa station de recharge, il va se recharger, et si jamais il n'a pas fini sa tâche, il va retourner finir sa tâche. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Alors c'est très important, mais il peut passer d'une pièce à une autre pièce sans forcément de difficulté, parce que souvent dans les maisons par exemple ou les appartements, on a une petite épaisseur d'une pièce à une autre pièce, et c'est vrai que les gens ont tendance à se poser la question, est-ce que le robot aspirateur peut passer ou pas. Ici il peut passer jusqu'à facilement jusqu'à 2 cm. C'est pour ça qu'on retrouve une bonne motorisation, des grosses roues qui va lui permettre forcément de passer l'aspirateur sur des tapis, mais aussi de passer d'une pièce à une autre si jamais il y a une petite épaisseur entre ces deux pièces. Un bruit donc de 65 décibels, et c'est vrai que j'étais assez surpris puisque habituellement on se retrouve sur du 70 décibels, et 65 décibels c'est vraiment bien. On se retrouve ici avec une brosse latérale et une brosse centrale, bien entendu il faut en prendre soin, surtout la brosse centrale si jamais il y a des femmes, si jamais il y a des animaux, il peut avoir des cheveux qui peuvent se mettre dans la brosse centrale, donc c'est pour ça qu'il faut la nettoyer régulièrement. On enlève les cheveux et tout, on la passe sous l'eau, on laisse sécher et on remet la brosse centrale. En tout cas il n'y a pas de grosses difficultés et la qualité ici je la trouve plutôt bonne. Un réservoir d'eau de 270 ml, c'est ce qu'on retrouve, hein, c'est un petit peu ce qu'on retrouve partout, avec 3 niveaux de débit d'eau comme je l'ai dit et 4 niveaux d'aspiration, donc ça c'est plutôt important. Un bac à poussière de 570 ml, ça va dépendre aussi bien entendu de ta superficie, si jamais aussi tu as des animaux ou pas, ou alors il y a des cheveux qui, pas mal de cheveux ou de saleté qui tombent par terre, eh bien va falloir on va dire vider le bac à poussière une fois par semaine. Enfin bref, on se retrouve tout de suite pour la phase test de ce petit bébé. C'est parti pour la phase test de la marque Trouvée. Ici c'est le Finder. C'est important pour rappel, 0,5 mètres d'espace libre à gauche et à droite. Et il préconise, je crois, c'est 1 mètre et quelques à l'arrière, parce qu'en fait quand on va le démarrer, il va reculer. Donc ce qu'il va faire en fait, simplement il va faire au début le périmètre de la première pièce, scanner un peu tout ça, et puis après il va commencer à optimiser son chemin et faire des zigzags et tout, puis après attaquer par exemple ici la deuxième pièce. Donc on a bien entendu l'application, il a cartographié bien entendu ici la maison. Je fais commencer le nettoyage. J'ai mis en français, commence le nettoyage. Je suis en mode turbo, donc ça va vraiment être normalement le plus fort possible. Moi je recommande de mettre le mode max, hein. C'est sûr que voilà, et donc très très sympa, hein. Fait pas beaucoup de bruit finalement, et donc voilà, là il va commencer à regarder, puis il va faire le tour en fait tout simplement, et entre les chaises. Il n'a pas de difficulté en fait, parce que vu qu'il cartographie plutôt bien, après ça va être l'intérêt aussi de son pare-choc avant, c'est tout simplement de lui protéger, de protéger l'aspirateur. Et donc là en fait il va passer, il va faire des petits tours autour des pieds de chaise, puisque sa brosse latérale permet en fait un petit peu comme on peut le voir là de balayer en fait légèrement les petites poussières qui peuvent passer en dessous, donc c'est vraiment bien fait je trouve. Voilà, donc là il va passer tranquillement. Après c'est vrai que il faut aussi s'habituer avec ce genre de produit. Par exemple moi je m'habitue des fois avant de partir de laisser un peu les chaises en retrait comme ici, ce qui lui permet de lui simplifier la vie quand il va passer entre les chaises et surtout bien passer sous la table. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Un aspirateur comme ça pour moi ça fait à peu près 80% du travail. C'est vrai que honnêtement je passe quasiment jamais l'aspirateur, hein. Voilà, hein. Balai, j'utilise quasiment jamais, parce que lui il arrive à bien gérer, il passe sous tous les petits endroits comme on peut voir là, il n'a pas trop de difficultés, c'est vraiment très très propre. Voilà, donc franchement ça c'est vrai que c'est un bon point.
Et donc ici, je vais tout simplement te demander de faire une zone précise. Et en fait, c'est tout simplement comme ça pour la face test aussi, c'est pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est parti, on va commencer à attaquer un petit peu les pattes. Et en fait, voilà, comme on peut le voir, la brosse latérale va amener en fait à la brosse centrale. Alors c'est vrai que les pattes, c'est un peu plus compliqué, c'est assez gros à ranger. Et comme on peut voir, voilà. Tac, nickel, là il va attaquer grammes de café. Et là c'est parti. Alors il reste par contre jury. Et là, alors, il reste un petit peu de pâte, il en a éjecté une, il refait le riz, il va reprendre les pâtes. Après, il faut juste pas, alors les grains de riz, c'est toujours plus compliqué sur le tapis parce que, voilà, il va en rester quelques-unes, on voit là, il en reste une. Après, c'est une chose un peu plus difficile. Et puis, on va aller un petit peu le bac à poussière. D'autres... se balader, après ça reste très correct hein, pour son prix, franchement c'est assez impressionnant. Donc là ce qu'il va faire, il va se calibrer un peu, c'est pour ça il faut à peu près 1 mètre 50 hein, 1 mètre 30 à l'arrière, et puis là hop il va arriver, il va se recharger. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bac à poussière et regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, et puis pour te montrer aussi que c'est très très simple de retirer ça. Alors je vous recommande quand même de nettoyer le filtre. Voilà, une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Donc là, j'ai juste à lever le capot, boum, j'ai juste ici à déclipser. J'ai reçu derrière une notification, c'est pour ça qu'on a entendu mon téléphone en disant, bah boum, le nettoyage est terminé ici. Voilà, donc ça c'est nickel. Et si on regarde là, tac, j'ouvre, et là on va avoir tout simplement les pattes, je vais tout avoir. Avec d'ailleurs, on peut voir qu'il a aspiré un peu des poussières et tout, donc ça aussi c'est bien, c'est nickel. Donc pour vider, c'est très simple, hop, la poubelle, alors c'est un peu sombre, désolé, et tac, je vide là, je tape là, tac, et c'est pour ça que je vous recommande d'enlever, il s'enlève assez facilement, donc ici le filtre, voilà, pour le nettoyer tout simplement, parce que comme on peut voir ici, bah regardez, franchement c'est pas mal hein, il a pris tout ça en une petite tournée, parce que juste avant j'ai fait une grosse tournée. Voilà, donc là je mets à la poubelle, et là je vous recommande soit de le nettoyer en passant l'aspirateur dessus, ou en enlevant un maximum en tout cas la poussière. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir et t'aura plu aussi, puisque je suis très content de t'avoir présenté une marque un petit peu inconnue du bataillon qui vraiment essaie d'évoluer, et je trouve que la qualité est vraiment bonne, très surpris aussi. Alors donc c'est la marque Trouvé, c'est le Finder que je te présente aujourd'hui. L'entendu du produit est dans la description de cette vidéo. Et pour conclure, bah, je suis vraiment content parce que je ne pensais pas qu'en dessous de 300€ on pouvait retrouver, on va dire, des aspirateurs déjà qui peuvent aspirer, qui peuvent déjà se localiser, qui peuvent éviter les obstacles, qui peuvent aussi avoir un bon petit pare-choc, ça c'est important avant, ça c'est très important. Et donc là je retrouve ça, et c'est vrai que je suis assez surpris. Donc je suis assez content aussi en même temps, bah, parce que je retrouve quelque chose qui va tout simplement contre-argumenter un peu ce que je disais depuis un bon petit moment. Et pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez vous dans la barre des commentaires, ça me fera super plaisir. Boum, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.